Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo du samedi midi. Vous le savez, samedi midi, soit je vous fais un avis final après avoir terminé un jeu, soit je vous lance un petit débat. Et là, il y a un petit débat qui s'est lancé encore sur les internets, comme disent les anciens, à propos des Game Awards qui auront lieu donc début décembre. Et forcément, la sélection finale du GOTY de l'année 2021 ne plaît pas à tout le monde, donc forcément il y a des déçus. Donc de quoi on parle? Le GOTY, c'est le meilleur jeu de l'année, voilà. Donc il y a une sélection de 6 jeux, c'est tout. Les 6 jeux, on a Resident Evil Village de Capcom, It Takes Two de Hazelight Studio, Psychonauts 2 de Double Fine Production, Metroid Dread de Mercury Steam Entertainment, Deathloop de Arkane Studio et Ratchet & Clank Rift Apart de Insomniac Games. Moi déjà, ce que je remarque dans cette sélection, c'est que certes, ce sont des studios, on va dire, qui appartiennent à des grandes sociétés. Bon, à part Resident Evil Village, quoique pour l'instant, il me semble que c'est encore une exclusivité PlayStation. It Takes Two, bon, lui, on le retrouve sur toutes les plateformes et maintenant même dans le Game Pass. Mais c'est quand même, à la base, un studio indépendant de Electronic Arts. Psychonauts 2, c'est quand même pareil. Hein. C'est un studio Xbox, mais c'est pas un gros, gros studio. Metroid Dread, il est sorti de nulle part. Et j'avoue que Mercury Steam Entertainment, moi, personnellement, je connais pas. Alors, je suis sûr que si on va voir, on va trouver des choses, mais franchement, je connaissais pas. Deathloop, c'est Arkane Studio, c'est aussi un studio Microsoft. Donc, qui est pas non plus un triple A. Hein. Et Ratchet & Clank Rift Apart, qui est pour moi, là-dedans, le véritable triple A. Avec Resident Evil Village, c'est vraiment les deux gros mastodontes qui avaient de l'argent, voilà, qui avaient du pognon pour faire le truc, quoi. Mais les autres, c'est quand même des petits studios indépendants. Et donc ça, déjà, moi, je trouve que la sélection pour ça, elle est assez bonne. Pour être tout à fait honnête avec vous, Deathloop, c'est le seul jeu que j'ai pas fait. Les autres jeux, je les ai joués. J'ai joué aux 5 jeux et on les retrouvera quand je ferai mon propre GOTY 2021, parce que je ferai une vidéo où je vous présenterai mon GOTY 2021 des jeux que j'ai joués. Je vous cache pas que là-dedans, il y a énormément de jeux qu'on va retrouver. Quasiment tous. sauf un. Donc forcément, c'est... voilà. Je pense, enfin, j'ai pas fait le tri, mais là-dedans, il y a les jeux qui m'ont marqué. Voilà, je vais pas vous révéler, même si vous savez déjà quel est mon jeu préféré de l'année. Mais voilà. Et donc, là-dedans, il y a des gens qui s'insurgent. Pourquoi ils s'insurgent? Parce que, mon Dieu, il n'y a pas Forza Horizon 5. Certains répondent, ah oui, mais c'est parce qu'il est sorti trop tard. Non, c'est pas parce qu'il est sorti trop tard, puisqu'il apparaît dans d'autres sélections. Donc pourquoi Forza Horizon 5 ne serait pas parmi les GOTY? Parce que effectivement c'est un jeu génial. J'adore ce jeu, j'y joue beaucoup en ce moment. C'est peut-être le jeu auquel je joue le plus en ce moment avec les Gardiens de la Galaxie. Et c'est vraiment un très très bon jeu. C'est vraiment un très très bon jeu. Alors est-ce que c'est parce que c'est juste, entre guillemets, un jeu de course? C'est possible, hein. Parce que dans ce cas-là, c'est un très bon jeu, mais c'est une suite d'un truc qu'on connaissait déjà, qui n'a pas apporté non plus que ça à la saga, à part être plus beau, plus grand. Voilà, ça révolutionne pas les Forza Horizon, clairement. Moi, je vais vous illustrer ça, il y a Kenavo qui est venu chez moi la semaine dernière pour y jouer. Pas pour y jouer, mais pour... voilà, il avait des trucs à faire. Quand il a vu le truc, il a dit, mais je l'ai ce jeu, c'est Forza Horizon. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, si tu l'as pas téléchargé cette semaine, tu peux pas l'avoir. Et en fait, il confondait le 4 et le 5, parce que le 4 ressemble beaucoup au 5. Donc voilà. C'est pour dire, voilà, ça révolutionne pas non plus beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui poussent, qui critiquent cette sélection. À mon avis, c'est surtout... quand ils veulent pousser Forza Horizon, qui est un très bon jeu, je remets pas en cause le truc. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup de fanboys Xbox qui poussent à ça,
en se disant qu'il n'y a pas assez de Xbox, alors que quand on regarde la sélection, il y a quand même... Alors, Deathloop, c'est assez particulier, parce que c'est un studio Xbox, mais c'est une exclusivité PlayStation. C'est un peu bizarre, mais Psychonauts 2, c'est une exclusivité Xbox. Et quand je vois les exclusivités, la seule qui a exclusivité, bah, Deathloop, à mon avis, il va pas rester hein, en exclusivité. Mais il n'y a que Ratchet & Clank, sinon, sur la PS5 en exclusivité. Et il y a Metroid Dread, qui est en exclusivité sur la Nintendo. Donc voilà, il y a quand même... C'est assez équilibré, je trouve, la sélection. Et donc, beaucoup de gens disent, ouais, c'est parce que c'est juste un jeu de course. Pas tout, dans ces cas-là, on met tous les ans, on met Call of, parce que les gens adorent. On met les FIFA, parce que les gens adorent. Voilà, c'est pas faux, après tout. Hein. C'est vrai que c'est un jeu de course, ça révolutionne pas le truc, même si c'est un très bon jeu de course, c'est peut-être même le meilleur. Mais de là à le mettre jeu de l'année, y a, voilà, ça se discute, quoi. Est-ce que c'est vraiment le jeu de l'année? Je sais pas. Moi, je vais pas dire. Je sais que, moi, personnellement, il sera dans mon top 10 des jeux de l'année. Il y sera, voilà. Est-ce que c'est le jeu de la... Est-ce qu'il méritait d'être là-dedans? Je sais pas. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent de copinage, machin, mais il n'y a pas vraiment de copinage quand on voit le truc, voilà, et on voit bien que c'est assez bien réparti sur toutes les consoles. Indépendant, pas indépendant, exclusif, pas exclusif. Voilà, il y a pas mal de choses. Beaucoup de gens, de l'autre côté, vous avez les fanboys PlayStation qui disent « Ah mais Returnal, il n'est pas là ». Il n'y a pas Returnal dans cette sélection, alors que avant que les nominés soient annoncés, il y a beaucoup de gens. Si moi je suis sur Twitter, énormément de gens qui mettaient Returnal en GOTY 2021. Donc forcément là, ces gens-là, c'est les plus déçus et c'est les plus hargneux. Les gens qui voulaient mettre qui voulaient pousser Returnal en GOTY 2021, eux, c'est les plus virulents, je trouve. Ils en démordent pas, du coup pour eux, bah, c'est forcément une sélection de merde, parce qu'il n'y a pas Returnal, gna 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 gna. Beaucoup de gens critiquent en disant ça manque de respect pour les développeurs de Returnal, pour les développeurs de Forza Horizon 5, c'est un manque de respect qu'ils ne soient pas dans les nominés. Mais excusez-moi, si il fallait, admettons, et c'est les mêmes gens qui disent Resident Evil Village ou Deathloop, ils ont pas leur place là-dedans. Ils ont pas leur place dans le truc. Donc est-ce que ça, c'est pas manquer de respect par rapport aux gens qui ont fait Resident Evil Village et Deathloop? Enfin, je veux dire, les mecs, ils disent ouais, un manque de respect à Forza parce qu'il est pas à la sélection, mais ils crachent sur les mecs qui ont fait Resident Evil et Deathloop. C'est pas normal. Y'a que 6 places, voilà, faut faire des choix. Alors, je sais, c'est assez nébuleux, c'est effectivement. Alors, est-ce que c'est pas pour ça que ça amène des critiques? C'est qu'effectivement, la sélection des nominés, c'est assez nébuleux. Après, derrière, vous avez une espèce de caste qui a été choisie, c'est-à-dire, ce sont des rédactions, des personnes. Pour la France, par exemple, je crois qu'il n'y a que 4 votants. Ce sont 3 rédactions et Julien Chiez. Qui sont donc j'ai cru voir voilà, il doit y avoir certainement jeuxvideo.com, je sais plus qui j'ai vu, je crois que j'ai vu Gamekult, enfin bref, je crois qu'il n'y a que 4 votants en France et mais qui vont faire leur vote à partir de la sélection qui a été proposée, voilà. Donc là, ils vont, c'est pas eux qui ont choisi, si vous voulez, les 6 nominés là, eux maintenant ils vont choisir parmi les 6 nominés, ils vont voter comme vous pouvez aller voter. Alors je sais pas à quel niveau ça va jouer entre les élites et le bas peuple qui vote sur Internet. Je sais pas trop. Mais toujours est-il que, voilà, vous pouvez aller voter si ça vous intéresse. Donc, voilà, moi je trouve que c'est pas correct. Faut faire des choix à un moment donné. Les mecs, voilà, il faut qu'ils fassent des choix. Quand il y a eu Death Stranding, comme le Jeff Kelly, là, le présentateur des Game Awards, il est très très pote avec Kojima. Il y avait Death Stranding, mais il n'a pas gagné. Et beaucoup de gens disent, ouais, s'il n'a pas gagné, c'est parce que s'il avait gagné, les gens auraient dit que c'est parce qu'il est pote avec Death Stranding. Tu vois le bordel. Les gens se font des nœuds au cerveau.
Et ils ne prennent pas, voilà, le truc comme un spectacle. Moi, les Game Awards, je prends ça comme un spectacle. Les Game Awards, ça va être les World Premiers. C'est l'art-là, on va avoir. Je vais regarder ça, et on se fera un compte-rendu, un débrief, mais pas de qui a gagné le GOTY. Bien sûr, on va en parler, parce que bah c'est quand même important dans notre... voilà, c'est dans notre milieu du jeu vidéo. Mais j'en parlerai plus sur le côté, bah putain, voilà, on a vu tel jeu, on a vu tel jeu, on a vu tel jeu. Voilà, j'en parlerai en ces termes-là. C'est, on parlera, voilà, et ça va lancer l'année 2022, où on va quand même se prendre, normalement, une tonne de jeux badass dans la tronche. Moi, quand je commence à regarder un petit peu ce qui va tomber, on en reparlera aussi, on en fera une vidéo de ce qu'on attend pour 2022. Mais il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd. Hein. Ça rappelle un peu l'année 2018 où on avait eu des chefs-d'œuvre qui étaient tous tombés en même temps. Et là, 2022, ça risque d'être un peu le cas également. Ça risque de, voilà, il y a tellement de choses qui vont arriver, qui sont prévues déjà, et tellement de choses, à mon avis, qui sont pas annoncées. Et c'est pour ça que les Game Awards, ça va être très important. Parce que bah là, on va se prendre des World Premiers. On va en prendre plein les yeux avec ça, normalement. Hein. Normalement, le spectacle, il est tout le temps fait grâce à ça. Hein. Je sais plus quelle console était annoncée comme ça. Je sais pas trop, c'est pas la... Je sais plus si c'est la Series X ou la PS5 qui ont été annoncées, mais je crois que c'était la Xbox qui avait été annoncée. Bah, elle avait été annoncée au Game Awards. Donc pour moi, c'est un show, voilà, qui va lancer l'année 2022, qui va être incroyable. Donc faut le voir comme ça, comme un simple show, faut pas se prendre la tête. Enfin, les gens, mais parce qu'il y a vraiment des gens, si vous regardez un petit peu, par exemple Twitter, parce que Twitter c'est vraiment des mecs énervés. Sur Twitter, il y a des mecs, mais ils sont énervés. Ils sont énervés, ils partent, ils démarrent au quart de tour. Et on a l'impression que, je sais pas moi, qu'on est venu chez eux, qu'on leur a pris un truc. On a l'impression qu'ils jouent leur vie là-dessus, c'est assez fou. Mais putain, c'est juste une nomination, les gars. On n'en reparlera plus dans un mois, on n'en parle plus. Une fois que ça sera passé, on n'en parlera plus. On parlera juste, voilà, des jeux qu'on nous a montrés en World Premiere et puis qu'on attendra en 2022 et on va se hyper de fou là-dessus. Voilà, prenez le positif du truc, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez vos guerres. On leur revient toujours même, hein, mais il y en a qui arrivent pas à décrocher de ça, de la guerre des consoles, mais c'est complètement ridicule. Tous les systèmes vous permettent de faire des jeux incroyables, vous promettent des expériences incroyables. Profitez de ça, arrêtez de regarder chez le voisin. Alors peut-être c'est de la frustration parce que effectivement peut-être vous n'avez pas les moyens de vous prendre les 2-3 consoles, voilà. Ça peut se comprendre, mais ne jalousez pas, ça sert à rien. Ça changera rien à vos vies déjà, de vous énerver comme ça après des gens. Les gens vous prendront mal. Moi je sais que. Je sais que j'en suis arrivé à un point. Déjà je suis comme avec mon très grand âge. J'ai pas envie de m'emmerder avec ce genre de choses. J'ai pas envie de me prendre la tête. Mais j'en suis arrivé à un point où tous les jours je fais des vagues de ban sur Twitter, c'est hallucinant. Moi, dès qu'un mec démarre direct au quart de tour, mais même sur des bêtises, hein, on parlait de Julien Chies, il y a des mecs, ils partent au quart de tour dès que ça parle de lui, mais c'est pas j'aime pas ce qu'il fait, non, c'est ah quel connard, machin, c'est des insultes, c'est hallucinant, ça part en insultes directes. Bon, moi je sais que maintenant, mais ces gens-là, je les banne. Je vois plus ces mecs-là. J'essaye de purifier un petit peu mon fil Twitter grâce à ça. Mais là, avec les Game Awards, j'ai banné des mecs, j'ai banné plein de mecs. Parce que les mecs, ils partent au quart de tour pour des conneries. Enfin, franchement, amusez-vous, quoi. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête sur qui a nominé qui est pote avec qui couche avec qui. On s'en fout, putain. On s'en fout. C'est pas grave tout ça. Calmez-vous. Calmez-vous, on est à l'essentiel et tout ira bien, quoi. Vous prenez pas la tête, on va juste kiffer, voilà, on va en prendre plein les yeux, on va avoir des nouveaux jeux, des nouvelles annonces, ça va être incroyable.
Et puis voilà, et puis de toute façon, ça sera It Takes Two qui gagnera, et bien voilà. De toute façon, c'est prévu depuis le début, donc ça sert à rien de vous prendre la tête. Quoique, je peux commencer déjà à faire ma mauvaise foi en vous disant que Joseph Farrell, le mec qui a fait It Takes Two, il est pote avec Geoff Keighley, le mec qui présente, donc peut-être qu'ils vont pas le nominer parce qu'ils sont potes et qu'on dirait qu'ils sont potes, alors il a gagné. Vous voyez, on peut partir dans des délires comme ça. Voilà, moi je souhaite que It Takes Two gagne, parce que pour moi ça a été une expérience, mon expérience incroyable de l'année. Mais voilà, s'il gagne pas, c'est pas grave, ça va pas changer ma vie. Franchement, j'ai juste envie de kiffer, de voir les nouveaux jeux qui vont sortir. Bah, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, mais en restant calme. Calmez-vous surtout, hein. Calmez-vous, hein, parce que moi j'ai le ban facile, je vous préviens. Et dès que je vois que ça part dans les tours, je peux ban assez facilement. On peut discuter, on peut débattre, on peut argumenter, tout ce que vous voulez, mais on peut pas insulter, on peut pas partir dans des délires comme ça ou des mecs qui se montent la tronche pour rien. Et ça se passera bien. Voilà, kiffez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.